Donc, je suis sociologue et je travaille en sociologie du genre et puis sociologie de la culture. En fait, mes travaux et mon intervention dans le cadre de cette journée du 8 mars portent sur les stéréotypes qui pèsent sur la science. Donc, en fait, quand on travaille en sociologie sur cette question-là, on évacue assez vite les questions liées à des formes de cerveau ou bien à des natures différentes entre hommes et femmes, puisque les recherches montrent que bah, non, biologiquement, il n'y a pas de raison pour qu'une femme ne fasse pas de métier dans le domaine scientifique. Et donc, bien évidemment, du coup, les raisons, elles sont à chercher du côté des représentations, du côté des stéréotypes. Donc, on travaille sur l'ensemble des livres qui sont adressés aux jeunes filles, qui sont adressés voilà, aux élèves à l'école. On travaille sur les expositions, sur les musées. Est-ce que quand on va dans une exposition scientifique, on a des noms de femmes scientifiques auxquelles une jeune fille peut s'identifier? On travaille aussi sur les livres d'histoire des sciences. Est-ce que bah, les prix Nobel, parfois, n'ont pas exclu certaines femmes alors qu'elles avaient fait des recherches?